rapport. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce qui se passe là tout de suite? Aujourd'hui, c'est une journée solidaire, écologique, hein, tout droit pour l'environnement. Donc nous allons établir un travail qui ne sera pas malheureusement rémunéré. Alors la météo ce matin, donc comme vous pouvez voir, hein, au nord du pays, il fera donc 2 degrés. Voilà pour le matin. Donc à l'est, il est prévu quelques flocons, quelques petites orages. Il va pleuvoir un petit peu. Donc le conseil, c'est mettre des bottes. Des bottes. Alors les bottes, aujourd'hui, mortes. Alors n'oubliez pas surtout, en journée de solidarité, en protection de l'environnement, etc., les gants sont vraiment obligatoires. Alors nous avons tout d'abord Mathieu qui est... Mathieu, que fais-tu? Bah, je participe au projet. Qu'est-ce que nous allons faire en fait aujourd'hui? Alors c'est une surprise, mais... Et en quoi ça consiste? Non, parce qu'en fait je vais... Il y a une exposition sur... Anaïs, voulez-vous prendre pour époux votre cher Paul ici présent? Je sais pas. Je crois bien que ouais. Je n'en dirai pas plus. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Les Blongeaux s'interviennent surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque donc on voit c'est les 20 ans de l'assaut cette année. Et les Blongeaux, donc c'est un petit héron, le plus petit héron, et c'était une espèce en voie de disparition. Donc c'est pour ça que l'assaut s'est créé, pour maintenir son milieu, son cadre de vie. Donc là, c'est de l'installation de platelage, de la construction d'observatoires à oiseaux. Donc on voit les marais, les dunes, on intervient en forêt, on voit plein de milieux différents. On apprend plein de techniques aussi différentes. Là, on taille les saules têta. Alors, on peut se permettre d'aller facilement jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Le top, c'est aussi de faire déjà une pré-entaille en dessous. Ouais. Simplement pour dire que quand on va arriver au bout, ça va pas faire une languette. Oh, on avait hésité avec un atelier couture. Et finalement... La prochaine fois, tu prendras tricot. Tu prendras tricot. Oh, merde. Tu pousses ou tu tires? Je pousse. Vas-y. Ouais. Tu l'as vu? Voilà. Allez, viens. Allez. Ouais. Mais dans le mauvais sens là. Comme le faisait si bien mon père. Venez nous rejoindre la semaine prochaine pour le prochain chantier nature. Bravo, c'est du joli. Yes. Ça motive en plus. Allez. Fais attention. Alors ici, ça scie. Oh là là. Ah, vous attaquez plus simple. Hein. Vas-y, tire vers toi. Ouais, j'arrive pas. Et vite, passez. Attention, chute. Tout ça, c'est moi. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est moi. À la seule force de tes... seule force de mon énergie, de mes mains. Tu fais une petite coupe. Oui. Disons que c'est un petit brushing, ça va être un petit brushing, une petite mise en pli. Bon, j'ai... Là, c'est carrément un gros dégradé. Hein. Voilà, bah, disons que c'est une coupe militaire. Donc là, nous allons sur le front. Sur le pont. Le front. Ah pardon. Dis donc, vous les recrutez très jeunes, les futurs... Oui, nous ne sommes pas contre l'exploitation des enfants. Allez. Donc là, nous sommes conviés au repas du terroir, du fromage, hein, en bon français, bien sûr, nous consommons du fromage, et bien sûr du pain. Hein, puisque le pain est la base alimentaire des Français, avec le fromage. Voilà, le soleil, voilà ce qu'il faut faire le matin à 8h. Exercice. C'est bon? Attends. Je vais tourner sur la vidéo. Oui.
quoi. Ça soit un beau tressage. Ah oui. Donc il y aura ça. Et puis aussi, on voulait. Il voulait garder des petites zones comme ça de branches qui tombent dans l'eau pour que les canards puissent nicher dedans. Et l'observatoire, il sera là-bas. Et l'observatoire, ouais, de l'autre côté. Comme ça, il y aura un beau point de vue sur toute cette zone pour les oiseaux. Alors Thomas, que penses-tu du travail accompli là? Ah bah c'est pas mal. Bel observatoire. En tout cas, on a bien dégagé la vue. On a bien travaillé. Bravo. On voit pas là-bas. Alors, ça te plaît? Ouais, c'est joli. Qu'est-ce que ça fait de faire ça aujourd'hui alors? Bah, c'est le plaisir d'être avec les jeunes. Ce petit week-end nature. Super. Ah ouais, c'est trop cool. Dès que je vois, j'ai envie de le citer, mais c'est pas le droit. On a envie de raser les forêts. Ah les filles, on enchaîne là la semaine prochaine? Non, deux semaines. Deux semaines. C'est vrai, génial. Ah, c'était génial. Un grand moment. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai plus de sucette. Je perds la raison chaque fois que je baisse ton caleçon. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai plus de sucette. Je perds la raison chaque fois que je baisse ton caleçon. Le jour où je l'ai rencontré dans une de ces soirées, j'ai même pas pu la regarder, tellement ses yeux me brûlaient. Alors je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins. Elle me dit, fais-moi du bien. Je lui dis oui, sans problème. Dans sa chambre on est allé, sous les draps on s'est glissé. Il a fallu me ranimer, dans ses yeux je m'étais noyé. Et elle se serre tout contre moi, je me crois au cinéma, je me prends pour Cary Grant. Et puis on éteint la lampe, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Je ne fais que de l'embrasser, cette fille-là me fait rêver. Elle a vraiment quelque chose, ça lui vient sûrement des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité ou les gars de mon quartier. Elle a un petit goût d'orange, de miel et de chocolat. Elle adoucit mon errance, avant je n'existais pas. Toute la salive que j'use pour me donner de l'éclat. Elle a pas bonne, ça m'amuse. Mettre le monde en émoi, l'amour est la vérité, l'ivresse et puis la beauté, tout ce qu'en vain j'ai cherché, dans ses yeux je l'ai trouvé.